Bonjour YouTube. Vidéo spéciale puisque l'on a déjà fait le niveau 99, mais il s'est avéré qu'il y a quelque chose de spécial sur ce boss qui peut être exécuté et qui est assez incroyable. Pour le coup, je vous invite à aller récupérer bien entendu un maximum de bonus. Au pire, le mur, vous ne le mettez pas, même si c'est quand même celui qui a le plus de points à récupérer. Et on va tout simplement, donc paf, vous mettez tout ça en bonus et vous allez comprendre que le 99 avec 290% de scoring, vous pouvez le faire avec n'importe qui. N'importe qui peut faire le level 99 puisqu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans cette équipe. Équipe qui sera bien sûr pour faire le top 1. C'est juste qu'il me manque deux cartes que j'aurai à partir de mardi. Donc la vidéo de top 1, vous l'aurez mardi ou mercredi. Mais on va juste ici avec une Sylvie récupérer en fait un anti-charme. Il y a plusieurs façons de faire. Vous avez l'anti-charme ici. Vous avez aussi la TM de Locke qui est trésor, chasseur de trésors hors pair. Il va aussi être un anti-charme. Il y a plusieurs possibilités. Ici, c'est une TM. TM du Locke 5 étoiles. Attention, je précise. Mais donc, STMR de Tifa, c'est peut-être un peu cher. TM de Locke, c'est beaucoup plus accessible. Ça peut être Yossable. Donc du coup, mettez ça et vous êtes tranquille. Vous mettez ça sur la petite Sylvie et voilà ce qui va se passer. Il va se passer que le combat, en fait, va être torché juste avec Sylvie. L'information ne vient pas de moi, là, elle vient de la communauté. Bien sûr, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit. Mais en fait, ça avait le lieu de vouloir être testé et c'est vraiment formidable. Et surtout, je vous invite à le faire très rapidement, votre rush niveau 99, et d'aller chercher le nombre de tickets 4 étoiles pour bannière le plus rapidement possible. Parce qu'il se passe quoi avec ce boss? En fait, ce boss, c'est un mort-vivant. Qu'est-ce qu'on fait aux morts-vivants pour les tuer facilement? Eh bien, comme dans les jeux vidéo de Final Fantasy, on va tout simplement utiliser la Vimax pour l'utiliser sur l'ennemi. Je vous invite à ne surtout pas utiliser le Vimax amélioré, parce que sinon ça va être sur tous les alliés, ça ne marchera plus. Il faut bien un Vimax normal, et ici, sélection du monstre. Vous allez sélectionner le monstre. Et même s'il y a le 50% HP barrière, regardez, hop, le démolisseur, c'est du one shot. Donc oui, dans la stratégie du top 1, cette stratégie va être employée, puisque on va aller faire le nombre de hits plus le nombre de dégâts à effectuer, et terminado même, je dirais. Puisque vous serez obligatoirement top 1. Puisque vous aurez fait tout, il vous restera à tuer le boss. Qu'est-ce que vous faites? Vimax derrière est terminé. Et réellement, on va employer cette stratégie, et qui a été employée dans plusieurs strats de diverses personnes variées. Mais cette stratégie est tout bonnement la meilleure stratégie pour vous faire un classement. Mais surtout, elle est là pour vous faire quoi? Elle est là pour vous faire rapidement le level 99. N'importe qui peut le faire. Dès que vous avez vie ou vie max, ça fonctionnera. Donc, un personnage random, même Fina, la Fina de l'histoire, des tout premières histoires, etc., en cette étoile, ou même la Blue Mage Fina, je crois qu'elle a aussi un vie max. Donc, vous pouvez profiter, choisir divers personnages et variés pour tout simplement aller faire votre niveau 99 full clear en full de, en 290%, puisque vous ne pourrez pas avoir le 300%. Maintenant, après, le top 1, c'est autre chose, d'accord? Mais si on parle des Fina, celle-ci, si je ne m'abuse, elle a Vimax. Donc, vous pourriez utiliser la Lotus. Vous pouvez aussi utiliser celle de l'histoire, puisqu'elle a vie, tout simplement. Donc, ça fonctionnera aussi. Vous pouvez utiliser aussi la Chocofina, je crois qu'elle a aussi le vie. Non, pas du tout. Le Chocobo n'a pas. Mais il me semble que Lee est Fina en maillot de bain. Alors, parce que je n'ai pas l'unité ici en arc-en-ciel, il me semble qu'elles ont aussi, etc., etc. Bien sûr, celle-ci, la Fina de nouvelle ère, a bien entendu. Donc, bref, plein d'unités. Je serais même pas étonné de voir la Fina en maillot de bain avec un sort de vie parmi ses sorts, d'accord. Donc, vraiment, pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel de clear et beaucoup de potentiel de personnages. Là, la vidéo, elle est là vraiment pour vous dire, voilà, il y a ça, c'est une stratégie qui a été trouvée côté US, je crois, c'est même pas côté FR, et que tout à l'heure, en live sur Star Ocean,
avant de live Star Ocean, petite parenthèse, j'ai dit voilà, sur BE il y a ça, et là, oh, quoi, il y a ça, c'est incroyable, what the fuck, je vais pouvoir faire mon 99 sans me prendre la tête, et bah voilà, vous avez la strat. Mais surtout, allez faire rapidement, parce qu'un boss qui se fasse one-shotter parce qu'il est mort-vivant et qu'il est faible à son sort de vie, c'est pas tous les jours normalement. Soit que c'est vraiment un oubli de Gumi, et ça c'est incroyable de leur part, et je vous invite à vraiment rusher tout de suite le 99, parce qu'ils pourront rien faire là-dessus, parce que bah c'est tout, hein, c'est comme ça, parce qu'il s'est déjà avéré que le choc des volontés, d'une semaine à l'autre, tout avait changé. Donc si vous devez vraiment passer du temps sur choc des volontés, faites-le cette semaine. Après, il se peut que vendredi, là maintenant ce sera vendredi, hein, je rappelle, parce que c'est une fête spéciale au Japon jeudi, eh ben, vendredi, il se peut que ce soit plus du tout la même stratégie et que vous ne pourrez plus faire top 1 avec la vidéo sous les yeux qui sera au même tour identique, etc. parce qu'ils auraient éventuellement patché cela. Et il se peut même que le patch soit déployé même à l'avance. Tout ça, c'est des patchs qui sont... c'est des micro-patchs et peuvent très bien être déployés avant. Donc, vraiment, faites-le, foncez directement. Et moi, pour le top 1, on se retrouve plutôt mercredi ou jeudi. Tout simplement, c'est parce qu'il me... Il manque un peu, on va dire, hein, vraiment un tout petit peu, deux fragments sur Sylvie pour obtenir une seconde carte. Hein. Il me manque trois fragments parce que je peux acheter avec les tickets. Et pareil pour Wilk, hein, en fait, c'est deux cartes que je voudrais avoir. Parce que qui dit vie ou vie max dit on va les tuer très rapidement. Vous voyez, il manque une vingtaine de fragments, mais avec les tickets, on peut les acheter. Et donc, ce sera très bien. Et donc, comme je disais, avec vie max, on dit bah T6, on tue. Ouais, mais il faut beaucoup de morale. Faut pas oublier qu'il faut 180% à la fin, il faut terminer avec 180%, pour en avoir généré X pourcentage. Et en fait, les cartes de Sylvie et les cartes de Wilk permettent de gagner du X pourcentage de morale par allié vivant sur le terrain qui est humain. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que j'attends ces deux cartes. Je pense que sans ces cartes, elles peuvent être faites. Mais voilà, disons que je préfère la sécurité plutôt que de me dire « let's go », surtout que c'est mardi. Mardi, il n'y aura pas de problème. Et en plus, je vous ferai la stratégie sans VMAX. Je vous expliquerai qu'au moment T, vous pouvez utiliser VMAX. Même si dans mon équipe, il n'y aura personne VMAX. Mais il y a possibilité de faire top 1 avec un personnage VMAX, bien entendu. D'accord ? Là, il y a deux écoles. Soit vous voulez faire un one turn, enfin en one shot rapidement. Soit vous voulez préférer faire comme moi, prendre un peu plus de temps et être à 100% sûr de faire votre top 1. Pardon. Moi, c'est mon cas. Je préférais cette option numéro 2. Voilà pour la vidéo rapide. Moi, je vous fais des bisous YouTube. Bon courage à vous, et en espérant que cette astuce vous aura servi. Ciao, bye!